Chers auditeurs de la valise à Panley, bonjour. Voici notre édition spéciale Halloween. Nous allons vous faire frémir, vous frissonner, vous faire faire des cauchemars peut-être. Alors, quel est le programme pour cette frissonnante émission ? Tac. Eh bien, il me semble que nous avons un courrier des lecteurs pour le moins particulier et pour le moins... inattendu. Exactement. Citrouillesque. Et nous avons ensuite une rubrique lecture, tu jures. Que nous allons vous faire partager. Alors, c'est parti tout de suite pour le courrier des lecteurs avec des invités diaboliques, je crois. Mais nous ne vous en dirons pas plus, car la surprise accentue la peur. Bonne découverte et bon frisson. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Courrier des lecteurs. Et tout de suite, notre question du jour. Bonjour, je me demandais si vous pouvez m'aider sur un point. J'ai beaucoup de mal à cerner les enfants dans mes fictions, leurs réactions, leur psychologie, leur comportement. Je me demandais si vous n'aviez pas des conseils à me donner. Merci beaucoup pour cette question à laquelle nous allons tâcher d'y répondre en direct de Toulouse, où nous avons rencontré des personnes très spécialisée dans cette question. Commençons tout de suite. Eh bien, je vais vous demander de vous présenter, mesdames. Écoutez. Bonjour, Barbara de la Coupe d'Oie, diplômée en art-thérapie alternative. Marie Tranchette, pot-au-feu, pédopsychiatre en pédagogie récréative et donc co-gérante avec ma chère Barbara du bar à enfants. Sacripant, écrit Sacripaint. Très bien, enchantée. Donc, je suis Tac de la radio païenne, comme vous le savez déjà. Donc, je suis ravie d'être avec vous dans votre bar à enfants. Expliquez-moi en quoi consiste-t-il ? Alors, le bar à enfants, c'est un concept dérivé des bars à chats qui est assez... assez en vogue. Donc le principe, c'est que les clients peuvent venir déguster un café, un gâteau, un thé, dans un environnement où finalement les enfants, il y a des enfants en liberté qui peuvent circuler, voilà, librement. Les clients ont la possibilité de leur parler. Il faut quand même pouvoir respecter les rythmes de l'enfant, c'est-à-dire par exemple ne pas venir le toucher pendant qu'il dort, qu'il mange, qu'il fait sa toilette. Mm-hmm. Mais après, on peut leur poser des questions sur ce qu'ils font, leur dire des choses, voir leurs réactions, prendre des notes. Peut-on jouer avec eux ? Bien sûr, du moment que c'est respectueux, évidemment, mm-hmm. s'il n'y a pas trop de violence sur enfant. C'est des créatures fragiles et sensibles, n'oublions pas. En sachant que les enfants ont quand même parfois besoin de se reposer, puisque pour les maintenir à un bon niveau de vie, nous leur offrons beaucoup d'activités sportives. Très bien, donc en quoi cela pourrait-il aider les plumes en difficulté ? Eh bien, justement, alors nous avons également un deuxième service, en plus donc du café, nous avons un stand de paintball sur cible mouvante. Ce qui permet alors non seulement aux clients qui seraient un petit peu stressés, qui voudraient se défouler, de venir se défouler en tirant sur les enfants, mais également Marie Tranchette va... vous expliquer. Aussi, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de fictions dans lesquelles il y a des scènes où il y a des villageois qui doivent s'enfuir parce qu'il y a une armée qui approche, par exemple, ou bien parfois il y a des endroits où la foule doit courir puisqu'il y a des balles perdues qui fusent au-dessus de leur tête. Et pour cela, il y a parfois besoin d'avoir une véritable image pour pouvoir la retranscrire dans la description. Et il n'y a rien de mieux que d'expérimenter, de voir cette panique à l'œil nu, de voir la terreur sur le visage des gens qui courent pour pouvoir l'écrire. Et comment proposez-vous que les plumes voient cette panique ?
Justement. Justement, nous les invitons à venir tester notre standard paintball. C'est... Voilà. Les enfants sont dans un grand espace, ils ne risquent pas de se blesser, il n'y a pas d'obstacle. Ils courent, ce qui est très bon, qui est... Très bon pour leur santé. Très bon pour leur santé, ils ont besoin de toute façon de courir. Et ils reçoivent à l'occasion des cartouches de paintball. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est à leur avantage. Et pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement, dans le cadre de l'art-thérapie que je mets en place avec les enfants, tout simplement, ça leur permet de récupérer les taches de peinture qu'ils ont sur leur combinaison pour effectuer de magnifiques dessins, tableaux, voilà. Que l'on pourrait retrouver dans le café. Voilà. D'accord, et à la boutique aussi, il me semble. Bien sûr, tout à fait. À la boutique, effectivement. C'est un cercle vertueux, voilà. 80% des bénéfices retombent... Pour le traitement des enfants. Pour notre association, hein, qui est loi 1901, l'association le bar à enfants. Voilà. Qui permet de monter leur dossier pour trouver une famille. Oui, donc c'était ma question suivante. D'où viennent les enfants et que deviennent-ils ensuite ? Bien, les enfants sont malheureusement orphelins, c'est donc pour ça que nous les accueillons. Oui, donc vous les prenez depuis des familles d'accueil ou des structures... Oui, c'est humanitaire, c'est semi-humanitaire. Nous sommes organisés, nous sommes considérés comme une ONG, nous avons quelques subventions. Voilà, et donc effectivement, nous recueillons des enfants qui n'ont nulle part où aller. Et nous avons mis un petit système en place, c'est-à-dire que nous avons tous les jours un enfant du jour qui est justement disponible à l'adoption par les clients. Et donc pour rendre ça un peu plus festif, nous avons considéré que voilà, ce serait bien de faire un petit concours de paintball. Et le gagnant de ce concours pourrait adopter l'enfant du jour. Voilà. Ce qui permet aussi d'éviter les jalousies entre enfants, j'imagine. Bien sûr, puisque ça tourne. Donc, Tous les enfants, à un moment ou à un autre, deviennent enfants du jour avant leur 11 ans. Nous n'avons pas d'enfants au-delà de 11 ans dans le bar à enfants. D'accord. Et donc, à quoi ressemble la vie pour les enfants dans le bar à enfants, justement ? Eh bien, ils sont assez libres. Ils n'ont pas forcément. C'est important pour eux de ne pas être restreints par certains rythmes. Donc, par exemple, leur nourriture, la purée, est disponible à toute heure de la journée. Alors, pour éviter qu'ils se gavent, toutefois, elle est disponible à travers des grilles, ce qui fait que ça leur demande de faire un certain effort. C'est important pour entretenir la notion d'effort, de travail, mais de jeu aussi. Puis pour les articulations des doigts, c'est très bien pour la peinture de s'habituer à essayer d'atteindre des boulettes de purée. Mais bien sûr, nous ne sommes pas des bêtes et des gamelles d'eau sont disponibles en libre service, par contre, évidemment. Très bien. Et donc beaucoup d'activités du style peinture, course à pied. Très manuel. Oui. Et beaucoup de sociabilisation, bien j'imagine, sûr, à travers les clients. Avec les clients et les autres enfants également. Hein, bien sûr, les enfants des clients sont également les bienvenus pour jouer avec nos enfants. C'est important pour la mixité sociale, oui. D'accord. Et vous n'avez jamais rencontré de soucis avec les enfants d'autres clients qui voulaient rester ou d'autres qui voulaient partir ou... Alors, il est arrivé que certains clients oublient leurs enfants dans le chahut. Des fois, on oublie. Mais en général, ils reviennent les chercher. Voilà, au bout de quelques jours. D'accord. Et donc, quels sont le genre de clients que vous accueillez ? Donc, des plumes en détresse, j'ai bien compris. Oui. Mais quels autres publics voyez-vous défiler ? Alors, c'est très touchant. Ça nous met toujours une petite larmichette d'émotion à l'œil quand on revoit un de nos anciens enfants qui revient nous rendre visite au bar à enfants. Mais cette fois-ci, de l'autre côté de la grille, si je puis dire, puisque eux-mêmes viennent ensuite pour faire du paintball sur d'autres enfants. Nous avons d'ailleurs, en voyant qu'il y avait ce mécanisme qui nous fascinait un petit peu, nous avons d'ailleurs imprimé des flyers. Vous en avez peut-être vu en arrivant, ça circule pas mal dans la rue. Donc le principe, c'est de, comme nous dit le slogan, buter votre enfant intérieur. Mm-hmm. Donc c'est vrai que... Ce qui est
totalement acceptable d'un point de vue de pédopsychiatre. Bien sûr, voilà, c'était en accord avec Marie Tranchette. Oui, j'ai vu aussi que vous aviez un partenariat avec un cabinet de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes. C'est alors dans ce cadre-là Oui, nous avons aussi des liens avec l'entreprise Naenlich qui nous soutient économiquement puisque nous restons une association, donc nous sommes bénévoles, alors compensés pour le temps que nous donnons aux bars enfants, mais nous restons bénévoles. Et le client et la clientèle Naenlich et aussi parfois des anciens enfants du bar à enfants qui ont besoin ensuite d'utiliser des machines, des restructurateurs énergétiques pour se remettre des éventuelles épreuves qu'ils ont eues au cours de leur vie. Mais tout ça se remet de toute façon. Ça, et puis ce qui les aide beaucoup justement, c'est de venir tirer sur les enfants actuels, ce qui leur permet en un sens de se décharger de leurs enfances bafouées finalement. Et voilà, en tirant sur les autres enfants, et c'est très efficace. Et nous remarquons aussi, nous organisons régulièrement des ateliers d'écriture pour se soigner. Et donc beaucoup de ces enfants deviennent ensuite écrivains à leur tour. C'est donc vrai. Donc au final, c'est très enrichissant pour nous deux de nous dire que notre bar à enfants, au-delà d'un lieu récréatif d'un lieu de boisson, permet l'éclosion de nouveaux talents. D'artistes. Oui, voilà. En plus, c'est un lieu thérapeutique, manifestement. Oui, tout à fait. Donc, j'ai envie de dire que d'une boule de paintball, vous faites plusieurs coups. Voilà, c'est très très bien dit, ma chère Tac. Vous devriez venir à un de nos ateliers. Avec plaisir. Moins 50% pour vous, bien sûr. Oui. Et je rappelle qu'il y a moins 15% pour les clients Naenlich, du moment qu'ils puissent se munir d'un certificat comme quoi ils ont dépensé au cabinet Naenlich. Très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. C'est nous qui vous remercions. Et à la prochaine. Nous vous attendons. Donc, un petit bout d'interview imprévu. J'ai été contactée par les frères des fondatrices du bar à enfants. Et qui a voulu aussi avoir leur part de gloire dans notre interview. Donc, bonjour messieurs. Ouais. Enchantée, donc je m'appelle Tac de la PA Radio. Ouais, bah moi Tac, c'est... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Bah, moi c'est Ferdinand de la Coupe d'Oie et du coup voilà, j'ai ouvert le bar à Blasé avec... Avec GG, donc Jean-Gérard Poteaufeu. Ouais, ça allait comme idée, alors je dis ouais. Ouais, voilà. Bah, enchantée. Ouais. Donc, en quoi consiste votre bar? Bah, c'est marqué, hein. Je veux dire, c'est bon, bar à blasé. On vous a donné le flyer. T'as blasé. C'est des blasés dans un bar. Et voilà. D'accord, et donc, en quoi cela consiste-t-il? Quel serait l'intérêt pour des plumes en détresse de venir... Attends, c'est vachement intéressant de parler avec des blasés. Ça ouvre les yeux, même les yeux scribouillesques, quoi. Ça ouvre plein de trucs. D'accord, et donc d'où viennent vos blasés Bah, les blasés, déjà, ils se font chier dans la vie, donc ils ont pas grand-chose d'autre à foutre que venir chez nous, tu vois, donc... ils viennent un peu... Ils viennent parce que, aussi, ça leur fait moins mal d'être blasés quand ils voient d'autres blasés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Et ce n'est pas un peu triste ou un peu ennuyeux pour les clients d'être face à des personnes Non, enfin c'est pas triste. Enfin genre on a mis du jaune hein, sur les murs et tout. Il y a de la lumière. Hein. Puis non, ouais. Au contraire, je veux dire c'est des blasés de qualité là. Faut pas non plus. On n'en trouve pas partout des comme ça. Puis au contraire, je sais pas, mais nous par exemple, là, après une journée à être entouré de gros blasés, on se dit que franchement. La vie vaut la peine d'être vécue quand même. Bien quoi, quand t'es pas blasé comme eux. D'accord, donc en fait l'objectif c'est ensuite d'avoir un coup de.
un bon coup de sang en se disant que la vie est belle. Bah, c'est ça l'objectif. Parfois, il y a des plumes qui viennent, ils disent une phrase et on est déjà déprimé à les entendre. On se dit, mais ils ont besoin de recul. Alors on dit, venez voir les blasés. Les blasés, ils sont tellement blasés qu'après les plumes, elles se disent, mais en fait, je suis trop douée, ma vie, elle est trop cool. C'est ça, le problème aussi, c'est qu'il y en a que pour le bar enfant machin, là. Le bar enfant. Voilà, non mais franchement, et qui c'est qui a besoin de 12 ans de, d'études pour faire un bar enfant machin, mais non. Nous, on n'a pas eu besoin de diplôme pour faire le bar à blasé. Ah, hein. Et ça marche. Hein. Bah oui, je vois ça, vous avez beaucoup de clients, donc... Bah ouais. Et donc, quelles sont les pistes d'avenir pour les blasés de votre bar ils sont blasés, quoi. Ouais, quand même, déjà, dès le départ... Blasés, hein. D'accord, donc c'est un boulot de... un travail rémunéré à terme. Ah bon ? Bah non. Mais c'est nous qui rendons un service en leur donnant un lieu d'expression. Ils sont vachement contents, les blasés. Ils nous disent tout. C'est du public. Ils disent, vous avez changé ma vie et tout. Ouais. Maintenant, ils sont encore blasés. Maintenant, il y a des gens qui m'écoutent quand je suis blasée. Et tout, quoi. Donc, comment ça se passe pour eux s'ils n'auront pas de rentrée d'argent ça va. Je veux dire, je sais pas, ils sont au chaud toute la journée. Ouais. Ça leur suffit. En plus, la nuit... ils ont de la purée. Parce qu'en fait, le bar à enfants est juste à côté. Donc, la purée que les enfants, ils arrivent pas à attraper... Après, on peut faire des boulettes avec. Genre, on met genre, un peu d'herbe de Provence dessus. Et puis, voilà, quoi. Des vitamines aussi, parce que c'est vrai que les blasés, des fois, tu te dis, pour qu'ils se lèvent ce matin, on va lui mettre de la vitamine, quoi. Donc, vous avez des dortoirs, donc ils sont logés chez vous. Oui. D'accord. Le matin, ils s'assoient sur leur chaise de blasé. Ils ont chacun leur chaise de blasé. Et puis, ils attendent qu'il y a quelqu'un qui vient. Et par exemple, il y a une plume qui vient, qui dit « Ouais, j'arrive pas à écrire, les gens sur PA, ils écrivent plus que moi, tintintin. » Et bah alors, il leur raconte sa vie. Et je peux vous dire qu'après, quand ils partent, ben ils sont genre « Mais j'ai trop de la chance, quoi. » En fait. Ouais. D'accord. Bah, très bien, écoutez. Bah oui, c'est très bien, on n'arrête pas de le dire, voilà. Ouais. Alors, j'ai appris que vous étiez venus chez nos sœurs, nos connes de sœurs, là, franchement, je veux dire... Restez polis, s'il vous plaît. Non, mais ça va, on n'aurait pas eu besoin, quand même, de se justifier pour que n'importe qui voit tout l'intérêt que l'on apporte à la société, quoi. Bah oui, je vois ça, mais à ce moment-là, vous devriez peut-être vous doter d'une chargée de communication peut-être un peu moins blasée, histoire de... On n'est pas blasé. Non. Et nous, on n'a pas besoin d'artifice, ok? Parce que nous, en fait, on est authentique. On n'a pas besoin, genre, c'est des trucs de marketing chiadé, mais rien à faire. Nous, les gens, ils disent, là-bas, c'est super blasé. Est-ce que t'aimes les trucs blasés? Ouais. Et ben, va au bar à blasé. Et voilà, ça suffit. Bah, très bien, écoutez, si c'est votre choix de marketing, je vous fais confiance. Je ne manquerai pas de publier votre interview. Merci de votre temps et de m'avoir contacté, du coup. Ouais, c'est ça. Vous pouvez venir un de ces jours, si vous voulez. Je prends en note. Tout le monde peut venir. Ouais, bah ouais, faut venir. Il y a de la place. Ah, pas trop, mais bon, il y en a quand même un peu. D'accord. Eh bien, bonne journée, messieurs. Ouais, bonne journée. Ouais. Ciao. Bien, nous espérons que vous êtes toujours vivant. Après toute cette peur, toute cette frayeur inspirée par ce courrier des lecteurs, ça rime. Et nous enchaînons sur une magnifique rubrique Lecture injure. Lecture tu jures. Où nous allons vous faire découvrir les textes les plus horrifiques, halloweenesques de FPA. Tout à fait. Parce que pendant que vous étiez occupé à écrire pour ce petit concours rétrorifique, eh bien, il y en a d'autres qui lisent. Et il faut bien savoir que lire dans cette période de l'année si particulière, c'est ce dont nous nous sommes chargés pour vous. Remerciez-nous maintenant. Bonne écoute. Écoutez bien comme tout est dans la lecture.
Lorsque j'ose enfin pénétrer dans le magasin, je sens ce doux mélange de parfums divers et variés. Pistache, cerise, courge, violette, ortie sucrée, framboise, aubergine, caramel, bœuf séché, épinard, saumon fumé. Je me suis rendue dans l'établissement tellement de fois que mon odorat s'est extrêmement bien développé. La sonnette d'entrée retentit. Je vois Monsieur X. Ses cheveux bruns coupés courts avec de petits yeux noisettes s'approchaient de moi d'un pas lent. Il doit encore avoir ce voile sur les yeux qui l'empêche de voir correctement de temps à autre. C'est assez étrange de le voir dans son magasin vêtu d'un large survêtement. Assez étrange, même pour une habituée telle que moi. De dos, juste à la lisière de son châle vert pomme, d'énormes fesses se balançaient de droite à gauche, générant à chaque foulée une onde de choc dans son corps entier. Cet ensemble insolite était soutenu par de tout petits pieds chaussés de souliers plats et informes, accentuant l'aspect pesant de sa démarche. Malgré cela, la vitesse de son déplacement contrastait curieusement avec la lourdeur de ce corps. Chaque jour, elle surgissait du carrefour tel un joueur de rugby à l'approche du poteau et plaquant vigoureusement son sac à main contre son imposante poitrine, s'engageait sur le trottoir qui longe le mur des écoles. Elle rit de bon cœur. C'était vrai qu'elle se comportait plus comme une grande sœur que comme une cadette. Sans crier garde, Arcane la prit dans ses bras et la serra de toutes ses forces contre lui. Surprise aux premiers abords, elle se laissa faire et lui rendit son embrassade. Il était vrai qu'elle avait tout de même failli y laisser sa peau. Leur étreinte silencieuse dura un certain temps. Jusqu'à ce qu'elle se rappelle de la menace des cloches. Ils allaient encore être plus en retard que d'habitude. Ils allaient avoir de sérieux ennuis. Comme chaque jour, elle suivit donc les voyageurs agglutinés devant l'une des entrées de la rame et y monta, portée avec légèreté par la cône. La nuée humaine se dispersa et se répandit dans les travées, sur les sièges, les strapontins, autour des poteaux. Tous étaient à l'affût d'un endroit à s'approprier le temps du trajet. Une place, un espace, une ville. Comme chaque jour, elle s'appuya contre la porte opposée et écarta un peu les pieds pour ne pas perdre l'équilibre. Durant les années de lecture, d'écriture et de calcul, Vic s'était rendu compte qu'il avançait dans ses apprentissages bien plus vite que les autres enfants. Il devait souvent rester des ZAD à rester au niveau, même si cela lui donnait l'impression qu'il troquait des choses si évidentes était une perte de temps. Sa seule envie était d'apprendre de nouvelles méthodes de calcul, de lire de nouveaux livres ou d'écrire de nouvelles histoires. Ces années furent passionnantes et ancrèrent profondément en lui une dévorante soif d'apprendre, une insatiable curiosité. Il suffisait que ses parents mentionnent un sujet tel que la réfection du toit de leur bloc ou l'arrivée du solstice d'été durant le repas du soir pour que Vic les harcèle de questions commençant toutes par « Pourquoi ?» ou « Comment ?» Cette tendance étrange à vouloir connaître les raisons ou les causes de toute chose, faisait souvent froncer les sourcils à sa mère. Et Vic surprenait alors des regards inquiets entre ses deux parents. Tu t'inquiètes trop, répondit le maréchal. Au même âge, Ernest avait des problèmes syntaxiques et vois ce qu'il est devenu. Laissons à cet enfant le temps de découvrir la langue et d'explorer ses subtilités. Par la ponctuation, il est déjà 8 heures, s'exclama-t-il en tirant sa montre à gousset de sa poche. Je vais être en retard à mon chantier. Aujourd'hui, nous devons polir les points de la page 42 et le texte est dans un état lamentable. Si vous savez.
Nous voici arrivés au terme de notre émission. Êtes-vous toujours parmi nous? Ou vous êtes-vous réfugié sous votre table, livide de peur? Ou sous votre lit? Attention, sous le lit, il peut y avoir de curieuses rencontres. Eh bien, nous vous embrassons très fort. Nous espérons que vous avez passé un moment effrayant. Attention aux bisous, il y en a qui ont des crocs. Bon cauchemar, les plumes, à bientôt.